Bonjour, je voulais partager avec vous quelque chose de super cool. Je viens de faire une petite vidéo en anglais pour mes abonnés en anglais, maintenant une en français. Un article que j'ai écrit en mars, le 29 mars 2016, qui s'intitulait « Les témoins de Jéhovah, la religion qui ment à 8 millions de personnes ». Donc moi j'ai écrit mon petit article en anglais. En mars 2016, et devinez ce qui est arrivé à mon article. Eh bien, un blogueur italien l'a traduit en italien, et il a gardé mes photos et mon nom. On voit très bien donc que cet article m'appartient, il n'a pas essayé de me voler cet article, pas du tout. Il l'a simplement traduit en italien, posté sur son blog, et je viens de faire la connaissance de quelqu'un aujourd'hui sur Facebook qui a trouvé mon article par ce blog. C'est un Italien et on vient de se communiquer par messagerie de l'Italie et il m'a trouvé grâce à cet article, grâce à ce blogueur italien. Et je trouve ça fantastique parce que vous écrivez votre petit article en anglais sur cette secte horrible qu'est les témoins de Jéhovah, la soi-disant religion des témoins de Jéhovah, et votre article est pris par quelqu'un qui parle une autre langue, traduit l'article et le partage dans son pays. Et je trouve ça absolument extraordinaire et je suis vraiment, vraiment très, très contente que cela se soit passé. Parce que il y a longtemps que je voudrais écrire des articles en français, mais je n'ai pas le temps de faire des blogs en français et je ne connais pas de plateforme où on peut faire ce genre de choses en français. Donc, c'est super qu'au moins quelqu'un l'ait pris en Italie et traduit cet article en Italie et le partage là-bas. C'est vraiment super. Je suis très contente de ça et je voulais faire partager ma joie avec vous. Merci d'avoir écouté. À bientôt.